Quand j'avais 11 ans, on habitait au 11e étage, juste en dessous des toits. C'était chouette. À part quand il pleuvait. Je recevais pas grand monde à l'appartement. C'était trop le foutoir. Enfin voilà. Et puis à l'école, eh ben, on ne peut pas dire que j'étais vraiment à l'état. Mon amie Nao m'appelait parfois le soir après l'école. Elle venait prendre des nouvelles de la planète Nirataz. Sur la planète Nirataz, j'avais même pas été obligée de manger mon ragoût. Même pas un peu. Mais la pénurie de vaisselle se faisait proche. On commençait à manquer d'oxygène aussi. Avec mon amie Nao, on avait inventé une île secrète, l'île de Bubble. On trouvait ça exotique comme mot. Nos camarades de classe y étaient de vieux bibendum aigus. Aigus parce que la force de gravité ne s'appliquait pas sur eux. Ce matin-là, je n'ai pas réussi à me réveiller. Je rêvais. Dans mon rêve, j'avais réussi à collecter une fortune en vendant des chaux-fleurs et des pierres à ricochet. Avec cette fortune, on est parti, ma mère et moi. Elle avait accepté de larguer les amarres. Et je me souviens qu'au réveil, elle n'a rien trouvé mieux à me dire que de filer à l'école. Entre nous, elle n'avait aucun sens de l'aventure. Maman a pris le large toute seule, vers une destination inconnue pour nous autres terriens. Ça fait 4 ans. Mais aujourd'hui, sur la planète Nirataz, nous allons vers des jours meilleurs. Et je me laisse porter par le courant, telle amarrande d'eau douce.